Bienvenue à cette 21e édition de Spotlight. Nous sommes ici, je suis Francine Akiemé et comme tous les dimanches, je suis vraiment très heureuse de me connecter à vous. Et aujourd'hui, on a déjà Spotlight. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Spotlight, pour les personnes qui nous suivent pour la première fois, Spotlight est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat. Chaque semaine, le dimanche spécialement, nous invitons un entrepreneur, nous invitons une personne qui a un parcours particulier, qui vient partager ses expériences, qui vient partager son parcours avec nous. Et à travers ces partages, à travers ces échanges, nous espérons inspirer et motiver d'autres jeunes Africains à l'entrepreneuriat. Et nous voulons aussi ainsi créer des rôles modèles parce que je pense qu'on a dans notre communauté, on a tellement de personnes qui font de belles choses. Et plus on aura de modèles, plus on aura de personnes qui vont pouvoir se lancer également, qui vont pouvoir suivre les pas des autres. Donc, avec Spotlight, nous voulons vraiment apporter notre petite contribution à ce niveau. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent déjà. Aujourd'hui, on va parler santé. On s'est aventuré dans le domaine de la santé aujourd'hui. Et on va parler de Medic Afrique. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent, qui ont déjà entendu parler de Medic Afrique. Dites-nous ça en commentaire si vous avez entendu parler de Medic Afrique. Et pour parler de Medic Afrique, justement, en fait, Medic Afrique, c'est un service de prépaiement de soins de santé destiné à nos proches qui sont en Afrique. Et pour en parler, on a invité le fondateur, Marc Mbiele. Il viendra vraiment en personne nous présenter ce projet. Alors, qui nous suit déjà? Qui est là? Hello, monsieur Tétéré. Hello, Alain. Bienvenue à toi. Je suis très ravie que tu nous suives. Bienvenue. Coucou à toi, Joël Fassi, notre regagnant de la tablette. J'espère que ta tablette te comble. J'espère qu'elle fonctionne bien et que tu es satisfait, en fait. Hello à Pierre. Coucou, Pierre. Bienvenue à toi. Merci d'être là. Et Pierre qui dit qu'il n'a jamais entendu parler. Je suppose que tu dis jamais entendu parler de Medic Afrique. Ce n'est pas grave, justement. On est là aujourd'hui. Marc Mbiele, le fondateur de Medic Afrique, est là aujourd'hui. Et il va nous parler de ce projet, de ce service. Donc, reste scotché. Tout à l'heure, nous allons introduire notre invité. Et puis, tu en sauras plus. Et je suis sûre que je pense que c'est un projet, c'est un service qui peut améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes en Afrique. Donc, je vous invite aussi par la même occasion à partager, à inviter vos amis à nous rejoindre ici. Donc, vous likez, vous partagez et vous invitez vos amis à nous rejoindre. J'aimerais également vous informer que nous sommes aussi en live parallèlement sur YouTube. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui préfèrent peut-être cette plateforme-là, vous pouvez nous suivre aussi là. Et je vous invite tous à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Ce serait bien pour nous soutenir. Merci à vous. Alors, avant de continuer, j'aimerais rapidement vraiment faire parler de l'émission dernière, de l'émission de la semaine passée. Donc, faire un petit rappel. La semaine dernière, on a invité Bettina Mass et on a passé vraiment un très beau moment ici à Spotlight avec Bettina Mass. Nous avons parlé du syndrome de l'imposteur, du fait de ne pas se sentir légitime dans ce qu'on fait. Donc, avec Bettina, on a vraiment parlé de long en large de ce sujet. Si vous avez raté cet épisode de Spotlight, vraiment, je vous invite à regarder le replay. Et justement, sur notre page YouTube, vous avez tous les replays de nos précédentes émissions. Donc, vous pourrez les suivre comme vous voulez et à votre rythme. Je vous invite vivement à aller regarder le Spotlight avec Bettina Mass. C'était vraiment très édifiant. Bettina Mass est une formatrice professionnelle. Elle est consultante, elle est conférencière et elle accompagne les gens dans la création de leur projet de vie. Elle fait des coachings, elle propose des coachings, elle propose également des formations. Et justement, la semaine passée, elle nous a offert aussi un cadeau que je trouve tout juste magnifique. Elle a écrit un livre, un e-book, qu'elle a voulu vraiment partager avec nous.
Et l'e-book, c'est 34 leçons que la vie m'a apprises, quelque chose, oui, quelque chose. Oui, 34 leçons que la vie m'a apprises. Et donc, vous avez vraiment la possibilité de. On a publié le. Attendez que je trouve le lien rapidement. On a publié le cadeau sur notre page Facebook, mais je vous mets rapidement encore le lien là. Vous pourrez aller télécharger cet e-book. Je pense que on a. C'est vrai que c'est bien de faire ses expériences. C'est bien de faire ses propres expériences. Ça nous fait grandir. Mais on n'a pas besoin absolument de faire toutes les erreurs possibles. Donc, si on peut, à travers, apprendre des erreurs des autres, on gagne vraiment en temps. Et c'est ce que Bettina a partagé dans son livre avec nous. Les erreurs qu'elle a commises quand elle s'est lancée, quand elle s'est lancée comme indépendante, comme entrepreneur. Et à travers ces erreurs-là, tu peux voir aussi qu'est-ce que toi, tu as fait ou qu'est-ce que tu peux éviter de faire pour gagner en temps. Donc, je vous invite à aller télécharger cet e-book qui est vraiment très édifiant également. Alors, je voulais partager autre chose rapidement. Attendez que je le retrouve. Voilà. Oui, là, il s'agit justement aussi. Un instant. Voilà. Là, il s'agit justement d'un programme de Bettina Mas qui commence le 1er novembre. C'est un programme de 40 jours où elle va, comme le flyer le dit, pour un nouveau départ dans mes finances et mes projets. Pour les personnes intéressées, vous avez les contacts de Bettina aussi qui s'affichent là, vous pouvez la contacter. Vous pouvez également la suivre sur ses réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, sous le nom de Bettina Mas. Voilà. Donc, voilà. Je vois quelques personnes qui nous ont rejoints. Je fais, avant d'introduire notre invité, je fais encore un dernier tour pour saluer les personnes qui nous ont rejoints. Bonsoir, Cyril. Bienvenue, bienvenue, Cyril. Merci d'être là. Ah, il y a Joël Fassi qui dit, on peut avoir le lien YouTube afin qu'on puisse s'abonner. Évidemment, évidemment, un instant que j'aille copier rapidement le lien. Aujourd'hui, je me suis préparée. Hein. La semaine dernière, j'avais oublié de. Alors, Joël, voilà le lien que je viens de publier. Donc, merci, merci, merci vraiment de vous abonner également à notre page YouTube. Vraiment, c'est très gentil. Merci. On a Cloflo également qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Cloflo, bienvenue à toi. Et merci d'être là. Et va t'abonner également sur YouTube, s'il te plaît. Alors, cool. Bien. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de Medic Afrique. On va parler du projet Medic Afrique. Et pour en parler, il n'y avait pas meilleure personne que le fondateur lui-même pour venir nous expliquer ce que c'est que Medic Afrique et en quoi ce projet peut et en quoi ce service peut être bénéfique pour nous, nous qui sommes ici en Occident et nos personnes, nos familles également en Afrique. Donc, je vous invite encore une fois de plus à inviter vos amis, à taguer vos amis, à partager cette émission afin que nous puissions toucher le maximum de personnes possible. Parce que je sais que, je suis certaine que beaucoup trouveront leur compte dans ce service. Voilà. Voilà, je vais introduire mon invité maintenant. Je vais introduire l'invité tout de suite. Juste un petit spot, un rapide spot pour que vous puissiez déjà vous faire une idée de ce que c'est en fait Medic Afrique. Donc, on se retrouve tout à l'heure, c'est quelques secondes, ça m'est pas long. On se retrouve tout à l'heure après le spot. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Medic Afrique, the easiest access to health.
Bien, on va recevoir notre invité maintenant. Hello, bonsoir Marc. Bonsoir Francine, bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien, Francine. Ah, je vais pas trop. Bon, je suis un peu groggy. J'ai pris un coup de vent tout à l'heure, mais ça va, ça va. Et toi, Ça je va sais que tu aller. vas bien. Ça va plutôt bien. Week-end pluvieux, mais bon, ça va. On est D'accord. resté à la maison. Super. Bah, bienvenue à Spotlight, Marc. Je suis vraiment très ravie que tu aies pris le temps de venir à notre émission pour nous parler de ton projet, justement, Medic Afrique. Mais avant d'entrer déjà dans le vif du sujet, j'aimerais, s'il te plaît, que tu te présentes aux personnes qui nous suivent, que tu nous dises qui tu es et voilà. D'accord. Donc déjà, merci pour l'opportunité. C'est un privilège d'être invité à Spotlight. Quand tu m'as contacté il y a plusieurs semaines, c'était, voilà, j'étais aux anges. Je me suis dit, waouh, Français à qui me contacte veut que je passe à Spotlight. Ça veut dire effectivement que j'ai de la valeur auprès de ses yeux. C'est une très bonne chose. Donc merci encore. Pour parler un petit peu de moi, je suis Mdiel Marc. Je suis basé en France. Je suis formateur de métier. Et j'exerce depuis plusieurs années en France. Avant cela, j'ai vécu en Afrique du Sud, où j'ai étudié, puis j'ai travaillé. Et voilà, je vais en arrière. Hein. Et puis avant ça, je suis au Cameroun, effectivement, où j'ai fait mes études supérieures à Boya, après avoir obtenu mon baccalauréat en Kansamba. Donc du coup, je suis effectivement fondateur de Medicafé, qui c'est un projet que je porte depuis plusieurs années. Et qui est arrivé à son, entre guillemets, virage, un virage très important pour nous parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans la qualité des soins, dans l'optimisation des moyens. Et aujourd'hui, effectivement, je suis avec vous pour vous partager ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait surtout, parce que je pense que c'est important de donner du sens à ce que l'on fait. Et aujourd'hui aussi, quelles sont nos perspectives pour les années à venir. D'accord. Si j'ai bien compris, en fait, maintenant, c'est quoi en fait ton métier en ce moment? C'est vrai que tu as ce projet-là que tu as mis sur pied, tu travailles dessus à plein temps, ou alors dis-nous, c'est quoi ton métier en fait? Mon métier, en fait, je suis formateur. Formateur, effectivement, si j'anime des formations au sein d'écoles de commerce ou encore d'entreprises, ça porte sur du management, ça porte sur de la communication, sur du marketing, sur tout ce qui est appelé soft skills. C'est la raison pour laquelle on a pu se rencontrer dans le cadre de la 4KI il y a plusieurs années, où je suis venu animer des ateliers lors des journées entrepreneuriales de la 4KI. Déjà en Afrique du Sud, j'enseignais déjà à l'université. Des matières comme l'entrepreneuriat, comme la comptabilité, comme le business management. Et je suis vraiment dans une continuité de ce métier-là, formateur. Après, j'ai envie de dire, ça vient des parents, les parents sont formateurs, je suis devenu formateur. Bon, ben, on assume l'hérédité dans ce sens-là. Donc voilà, mon métier au quotidien, j'anime des formations, j'accompagne des personnes en montant en compétences, que ce soit sur des modules tels que du management ou encore sur du soft skills. Quand je dis soft skills, je vais parler par exemple d'un module comme organiser et gérer son temps ou encore communiquer avec efficacité. Donc voilà un tout petit peu mon quotidien. D'accord. Bah, je dois t'avouer que je suis très admirative de ton parcours, vraiment. Et je me rappelle quand on a discuté, quand on a préparé cette émission, tu me disais que l'entrepreneuriat, c'était déjà quelque chose que tu faisais étant même à l'école primaire. Tu m'as parlé de. Oui, pour revenir, j'ai envie de dire, oui, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis tout petit, en fait, parce que déjà, quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle encore au CE1, en fait, je faisais de l'usure pour mettre les mots sur l'action. Pour être poli, je dirais, je vendais l'argent. C'est-à-dire, effectivement, à l'école qu'on fréquentait deux fois, on allait à 7h, on revenait à midi, et on revenait à l'après-midi jusqu'à 17h30, je crois. Et j'avais des camarades qui étaient issus de familles riches, donc qui, effectivement, avaient des sous. Et à la première partie de la journée, bah, du coup, ils bouffaient tout leur argent. Et moi, ce que je faisais, c'est que moi, je gardais mes sous à moi. Comme ça, dans l'après-midi, je pouvais effectivement prêter 50 francs CFA et 100 francs le lendemain. Parce qu'effectivement, quand tu reviens le lendemain matin, ils ont assez de sous, en fait. Donc, du coup, voilà, à l'école primaire, déjà, je vendais de l'argent à mes camarades de classe. Jusqu'au jour où j'ai fait l'erreur de dire à ma maman que j'ai vendu de l'argent et que j'ai une bonne bastonnade. Et j'ai dû arrêter. Voilà. Donc après, effectivement, l'entrepreneuriat, oui. Et quand j'ai fini mes études à Bouya,
Avec des amis, on était 5 au départ. Malheureusement, il y a une qui est décédée par son âme. On a monté une agence d'événementiel appelée Eben Chani Agency, qui était une agence qui fournissait à l'époque les hôtesses pour les événements. Et je me rappelle sur le marché à l'époque, il y avait deux entreprises phares. Il y avait à 16 de John Fomecon ou encore de Mireille Fomecon ou encore Proximity, qui était aussi une grosse agence. Hein. Et nous, on était tout jeunes, on avait quoi, 22, 23 ans, on a créé cette agence-là. C'était très dur au départ en tant que jeune, parce que je me rappelle que lors des négociations des contrats, quand on arrivait, on se disait, mais on attendait voir des personnes âgées avec un costard. On voyait le petit jeune arriver avec son petit t-shirt, ses denis, sa basket et ou son petit jean. C'était très compliqué, on ne nous prenait pas au sérieux. Mais par contre, lors de la qualité de nos services, ça commençait un tout petit peu à prendre de l'aile. Et puis, on a eu, jusqu'au jour où on travaille avec la société pour, Fondation IT Progress pour Promote. On a travaillé sur des projets avec Orange, avec Huawei, à l'époque, Huawei s'installe au Cameroun, avec MTN, avec Chococam. Voilà, on a plein de petits projets qu'on a travaillé. Donc, c'était vraiment à l'issue de mon éducation à Boya, parce que voilà, on est sorti, on a fini les études. Le Cameroun étant compliqué, il n'y a pas de boulot, il fallait bien s'occuper. On a fait ça comme ça. Et puis, je pars pour l'Afrique du Sud et là-bas, je continue mes études. Je rejoins une organisation d'entrepreneuriat qui s'appelle SAIF, le Student Info Enterprise, qui est une organisation internationale qui est fondée aux États-Unis et qui est présente dans les universités où il y a des concours entrepreneuriaux qui sont organisés au niveau régional, national et international. Et du coup, j'y ai fait 2 ans comme trésorier et comme chef de projet. Donc, on mettait des projets d'entrepreneuriat avec la population pour effectivement faire changer le quotidien des personnes. Et aujourd'hui, elle s'appelle Enactus, pour ceux qui la connaissent. Elle n'est pas différente de... pas différent de ISEC, pour ceux qui connaissent ISEC. Donc, du coup, aujourd'hui, Enactus, j'y ai fait 2 ans et puis c'est aussi là-bas que j'ai pu cultiver l'entrepreneuriat. Et lors de mon master, j'ai rédigé effectivement un mémoire sur, je faisais un master d'entrepreneuriat, j'ai rédigé un mémoire sur les coopératives agricoles. Juste, voilà, ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, voilà un tout petit peu ce que je fais. Et voilà, je suis issu d'un baccalauréat francophone, A4, allemand. Mais mes études, j'ai fait banque et finance à Bouya, j'ai fait gestion du crédit en Afrique du Sud, et un master en entrepreneuriat, et en France, j'ai fait un master en consultant formateur en management. D'accord. Oui, justement, à travers ton histoire, on se rend compte que, comme je l'ai dit, tu es depuis le bas âge vraiment imprégné dans l'entrepreneuriat, et ce n'est pas une surprise aujourd'hui que tu es... que tu mettes un projet sur pied comme Medicafé, je veux dire, c'était je vais dire que ça allait de soi puisque tu étais vraiment imprégné dans le domaine depuis ta jeune enfance, tes études et tout. Avant de nous définir, de parler vraiment de Medicafé, le sujet proprement dit, dis-nous qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce projet, pourquoi Medicafé, pourquoi le domaine de la santé, parce que selon ton parcours, je vois pas de Je vois rien de ce domaine-là. Oui, effectivement, c'est ce qui revient beaucoup. On se dit, mais Marc, tu n'es pas médecin, tu n'as pas fait d'études de sciences, tu n'as pas fait d'études scientifiques. Comment est-ce que tu te retrouves dans ce domaine-là? Et pour moi, en fait, en tant qu'entrepreneur, je m'aventure dans un domaine où il y a un besoin. Donc, aujourd'hui, effectivement, la santé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le rapport de l'OMS qui date de 2016, le taux de l'espérance de vie au Cameroun, il est de 50 ans, tandis qu'en Algérie, par exemple, il est de 66 ans. Okay. Et que dans le monde, par exemple, il est de 71 ans. Mais au Cameroun, à 50 ans, effectivement, on a des chances de mourir. On s'est rendu compte aussi qu'en termes de prise en charge, aujourd'hui, les complications sanitaires adviennent par soit un manque de prise en charge, soit une prise en charge tardive. Et c'est la raison pour laquelle on sait quand on arrive à l'hôpital, si on n'a pas d'argent, on n'est pas pris en charge. Si on n'est pas pris en charge, les complications adviennent. Et demain, il est trop tard pour traiter. J'ai eu un client qui m'a appelé il y a 3 jours. Sa maman a fait un AVC mardi. Elle arrive à l'hôpital, on ne l'a pas regardé. Elle a fait un AVC jeudi. Et c'est le mardi qu'on a découvert que c'est un AVC. Vous imaginez, entre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est mardi quand le médecin vient. Il fait un diagnostic le mardi. Il dit, ah, elle avait fait un AVC. Et aujourd'hui, effectivement, elle est dans une situation sanitaire très compliquée. Elle a l'hôpital général et où elle doit dépenser près de 280 000 francs CFA par jour. Parce qu'effectivement, l'AVC
n'a pas été pris en charge quand il le fallait. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on regarde l'espérance de vie, le taux de mortalité, le taux de complications sanitaires, on se dit qu'il y a un problème. Et quand on se rend compte que beaucoup de personnes arrivent dans les hôpitaux au Cameroun, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas pris en charge. Je prends encore le cas en 2017 de Maurice Koumaté, cet épisode malheureux qui a effectivement émeu plein de personnes dans le monde. Des fois, effectivement, parce qu'elle n'avait pas d'argent, on ne l'a pas regardé. Et le comble, c'est qu'à l'instant où elle n'a pas d'argent, mais dans 3 jours, dans 2 jours, on va se rendre compte que l'argent va arriver. Sauf qu'en ce moment-là, les complications sanitaires sont déjà là. Donc, quand on observe tout cela, on se rend compte que finalement, après le décès malheureusement de la personne, on organise un funérail à 3 millions, à 4 millions de francs CFA. On se dit, non, le problème est ailleurs. C'est dans la prise en charge. Donc aujourd'hui, c'est cette base-là que Medicafric s'est dit, non, aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution sur comment améliorer le quotidien des Camerounais, des Africains, parce qu'effectivement, on est à l'échelle africaine, des Africains en termes de prise en charge. Parce qu'effectivement, on estime que si on assure la première prise en charge des patients au Cameroun, on augmente effectivement l'espérance de vie. Okay. Je crois que mathématiquement parlant, ça s'explique. Si aujourd'hui, j'ai un palu sur prise en charge très tôt, ça évite une complication à un palu grave. Si aujourd'hui, j'ai un accident et qu'on répare, entre guillemets, ma blessure ou ma fracture beaucoup plus tôt, ça m'évite une amputation. Donc, du coup, aujourd'hui, l'idée de Medicafric, c'est de favoriser, encourager la prise en charge rapide auprès des cliniques au Cameroun. C'est aujourd'hui, je suis ici, on m'appelle, on me dit il y a une urgence, que je puisse prépayer ou alors que je puisse mettre des fonds à disponibilité de mon proche. Si un pépin, il est 2h du matin, ne réfléchis pas, va à la clinique en question, c'est déjà payé en fait. Tout ce que tu as fait, c'est en charge. D'accord. Ok. Je veux juste encore faire un petit rappel aux personnes qui nous suivent vraiment. S'il vous plaît, partagez cette émission afin que nous puissions toucher le maximum de personnes possible. Nous sommes tous confrontés. La santé, c'est un domaine, comme on le sait tous, la santé n'a pas de prix, mais un coût. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir Marc Mieuleux sur notre plateau qui nous parle de son projet. Et c'est un projet justement qui vient résoudre un problème que nous avons dans nos pays, en Afrique, particulièrement le Cameroun. Je ne peux que parler du Cameroun parce que c'est le pays que je connais. Donc, vraiment, les amis, n'hésitez pas à taguer vos amis, invitez-les à nous rejoindre. Et puis, voilà. Alors, justement, tu nous as déjà un peu planté le décor. Tu nous as expliqué ce que c'est. Mais comment est-ce que ça fonctionne concrètement, Medicafric? Comment est-ce qu'on peut se représenter ça? Comment est-ce que ça fonctionne quand on est sur le terrain? D'accord. Du coup, pour répondre, je vais prendre un cas concret parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on monte un projet, on doit être capable d'être son propre client. Donc, pour la petite histoire, je suis moi-même client de Medicafric. Okay. Mes frères et sœurs qui sont aussi à l'étranger sont clients de Medicafric parce que on utilise Medicafric pour prendre soin d'un de nos proches en Côte d'Ivoire. Et ça se passe comment? Littéralement, c'est simple. Aujourd'hui, effectivement, Medicafric a signé une convention avec certaines cliniques qui sont présentes sur notre application. Application disponible sur Play Store et sur App Store. Donc, que vous ayez Android ou iPhone, l'application est disponible sur les différents stores. Donc, du coup, les cliniques sont représentées par ville. On en a à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Ebolova, à Gaoundéré, à Garoua ou encore à Bafan. Vous créez un compte sur l'application Medicafric. Vous remplissez les champs nécessaires, email, mot de passe, ainsi de suite. Une fois dans l'application, vous créez le profil de votre proche. Vous allez ajouter un proche. Proche, vous ajoutez un proche. Ça peut être le nom de votre frère, de votre maman, de votre oncle, ainsi de suite. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez basculer dans les cliniques, taper la ville qui vous concerne, vous tapez peut-être Douala dans la barre de recherche, les cliniques disponibles dans Douala vont ressortir. Si vous tapez Yaoundé, les cliniques disponibles dans Yaoundé vont ressortir. Vous choisissez une clinique sur la base de l'offre. Parce qu'effectivement, sous chaque clinique, vous allez voir l'offre de chaque clinique. La consultation a tel montant, la radio a tel montant, les examens, par exemple, de bilan sanguin, c'est à tel montant. Ça vous permet d'avoir une idée du moyen des prix observés par, pratiqués par la clinique. Vous décidez de choisir une clinique selon ce choix-là ou aussi selon la localisation. Parce qu'effectivement, si je suis basé à Bafoussam, pourquoi m'envoyer une clinique à Douala? Parce qu'effectivement, je peux me déplacer. Voilà. Et vous décidez du montant que vous souhaitez
prépayé. Je peux dire, voilà, je fais un prépayement de 50 000 francs CFA parce qu'effectivement, c'est une première consultation, c'est une première prise en charge. Vous choisissez le paiement. Il y a une commission qui est prélevée pour Medicafé qui est de 10%. Vous faites le paiement soit par carte bancaire, soit par PayPal. Ça, c'est pour la diaspora. Et je vais plus loin parce qu'aujourd'hui, avec Medicafé, vous avez l'opportunité, étant au Cameroun, de payer avec Orange Money ou MTN Money. Effectivement, même si vous êtes basé au Cameroun, à Douala, vous pouvez payer pour quelqu'un qui est à Garoua, c'est possible. Donc, pour ceux qui sont de la diaspora, vous pouvez payer en carte bancaire. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez payer par Mobile Money ou MTN Money, par MTN Money ou Orange Money. Vous choisissez le patient en question, le proche. Vous validez le paiement et c'est tout. La clinique reçoit instantanément le nom du patient et le montant affecté. Vous recevez un message de confirmation. Le client reçoit une confirmation comme quoi il a de l'argent disponible pour ses soins à la clinique XYZ. Et à ce moment-là, effectivement, il n'a qu'à se rendre à la clinique tout simplement. Il est pris en charge par la clinique qui l'attend, effectivement, elle est informée. Il est pris en charge et derrière, effectivement, il peut suivre ses soins. Si effectivement il y a une radio qui n'est pas disponible dans cet hôpital, dans cette clinique-là, il n'y a pas de souci. Le transport dans une autre clinique où fait la radio est pris en charge dans les montants envoyés. Pas besoin de se tracasser. Vraiment, on a essayé de développer ce qu'on appelle la sérénité patient, qui permet au patient de se concentrer que sur sa guérison. Donc, du coup, à ce moment-là, il va se faire soigner tout et tout. Et vous, le client donneur d'ordre, vous, le client ici en Europe, vous recevez en Amérique, vous recevez à la fin de la journée une facture récapitulant effectivement les dépenses avec montant d'entrée 50 000 francs CFA, constatation 1 000 francs CFA, bilan sanguin 3 000 francs CFA, ainsi de suite, reliquat restant tel montant. Et à ce moment, vous savez effectivement combien ont été dépensés. Voilà un tout petit peu comment nous travaillons. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment comme une carte prépayée que tu recharges et que tu peux faire chaque fois et on déduit juste ce qui a été consommé, on déduit ça de ton compte, en fait. Exactement, c'est littéralement comme une carte prépayée qu'effectivement on recharge et puis le patient va juste se faire soigner et nous, on est au courant, sans pour autant, je précise, sans pour autant violer le secret médical. On ne vous dira pas que le patient a eu une glycémie de X, Y, Z, on vous dira qu'il a fait un bilan de glycémie, point. Donc, okay. Effectivement, c'est comme une carte de prépayé parce que pour rejoindre ce que tu dis français, c'est la prochaine étape de Medicafree parce que nous comptons mettre en place effectivement des cartes prépayées avec des terminaux installés dans les différentes cliniques partenaires pour pouvoir encore faciliter l'accès et, entre guillemets, automatiser le système. Donc, c'est prévu pour les années à venir. D'accord. Oui, justement, j'allais te poser la question à la fin de l'émission de savoir quels sont les projets. Mais de toute façon, on reviendra dessus. On reviendra dessus pour revenir encore sur tes explications tout à l'heure. Supposons que j'ai mon papa, par exemple, qui a déjà eu à utiliser le service de Medicafé. Il a déjà été pris en charge dans une clinique. Et une autre fois, il a un autre problème et le compte client n'est pas fourni. Comment ça se passe? Est-ce qu'il peut quand même être pris en charge ou alors pas du tout? Est-ce que vous avez pensé à ça? D'accord. Aujourd'hui, on essaie de mettre en place un système de, entre guillemets, je dirais, client favori. C'est qu'effectivement, qu'à partir de 3 interventions, si votre patient a reçu déjà 3 paiements pour ses soins au Cameroun, si à la quatrième, il y a une urgence, effectivement, il peut juste se présenter auprès de la clinique, il sera pris en charge au nom de Medicafric. Et pour aller plus loin dans la réponse à la question que tu poses, Francine, on a un système qui nous permet de ne pas stopper les soins quand il s'agit d'un cas grave, en fait. C'est-à-dire, effectivement, si, par exemple, Francine aujourd'hui paye pour son papa à 8 heures, un montant de 30 000 francs CFA. Son papa se rend à l'hôpital à 8 heures, il est pris en charge dès 8 heures et à 13 heures, le montant envoyé par Français est épuisé. Non, la clinique ne va pas arrêter les soins. C'est effectivement la vie du patient est en danger. Non. Au nom de Medicafé, on continue le soin. On me fait un rapport, on me dit, voilà, Marc, pour le patient X, Y, Z, on a dû continuer le soin pour X, Y, raison. Et moi, derrière, effectivement, à ce moment, je remonte vers Français pour lui dire, voilà la situation. Ça c'est compliqué. On a dû prolonger les choses. On l'a fait au nom de Medicafé. Et à ce moment, effectivement, Francine paiera la différence. Donc, effectivement, l'idée, notre but, c'est de sauver les personnes. Notre but, c'est de s'assurer qu'en sortant de l'hôpital, nos patients vont bien. Et notre but aussi, il faut reconnaître, on ne touche aucune commission auprès des cliniques. Donc, du coup, notre but n'est pas que votre proche demeure 1 mois, 3 mois dans une clinique.
On est conscient effectivement que ça va coûter une blinde. Notre but, c'est prendre en charge le patient quand il y a une urgence, stabiliser sa situation après avoir fait un bon diagnostic. Et si effectivement il fallait traiter une fracture qui est arrivée, on traite la fracture, on la nettoie, on fait une opération, on stabilise, on met le plâtre. Et à ce moment-là, nous, on lui dit à nos clients, on vous invite à aller continuer les soins dans un hôpital public où c'est beaucoup moins cher parce qu'effectivement, le plus dur a été fait. Notre but vraiment en tant que Medic Afrique, c'est vraiment de traiter l'urgence, c'est de sauver des vies et éviter effectivement une amputation qui pourrait arriver pour le monsieur qui s'est fracturé la jambe. Donc, du coup, on ne va pas vous dire rester dans une clinique parce qu'on touche des commissions, on ne touche aucune commission des cliniques. Prise en charge 3-4 premiers jours, votre patient va mieux, on sait ce qu'il a, on a fait un diagnostic convaincant, on sait où on va, on vous invite à aller continuer les soins dans un hôpital public où c'est beaucoup moins cher. Oui, justement, je vais après, est-ce que le patient est tenu de revenir à la clinique pour ses soins parce qu'il ne faut pas, on ne doit pas se lever, les cliniques, ce n'est pas les mêmes. Exactement. Les hôpitaux publics. Dans le la possibilité, une fois que les premiers soins ont été administrés, de pouvoir aller dans un hôpital public de son choix et de continuer son traitement là-bas. Je dirais même que le patient a le droit. Il n'a pas la possibilité, il a le droit. C'est son droit. Et nous, on les invite même en fait. Parce que notre but, c'est vraiment la première prise en charge. Parce qu'elle est capitale. L'urgence, en fait. Oui. C'est l'urgence. Notre but, c'est de sauver le patient, justement. C'est éviter des complications. Dès lors que le patient est stabilisé et qu'on sait comment va se passer la suite, si effectivement il veut aller continuer dans un hôpital public, nous on invite. Je suis d'accord effectivement que pour des cas compliqués où on a un patient qui fait un AVC, qui est diabétique, qui est hypertendu, tout et tout, voilà, peut-être que c'est dans une clinique, c'est beaucoup plus simple pour la qualité des soins. Mais aujourd'hui, notre but effectivement n'est pas de dire au patient, gardez vos proches 20 ans dans une clinique. Non, pas du tout. Stabilisez-les, soignez-les pour la prise en charge. Sachez effectivement que tout va bien pour le moment, on peut continuer ailleurs. Et si besoin, vous pouvez revenir. Mais notre but, effectivement, ce n'est pas de vous épuiser financièrement. Notre but, c'est de faciliter la première prise en charge qui va éviter les complications et qui va sauver des vies. D'accord. Oui, je trouve ça vraiment très. Je trouve le service, quand je parlais tout à l'heure d'améliorer la qualité de vie, c'est vraiment à ce niveau-là. Parce qu'on a eu, je suis sûre que sur 10 Camerounais, il y a au moins 8 personnes qui ont été confrontées à ce problème de prise en charge dans les hôpitaux. Beaucoup ont malheureusement aussi perdu des proches comme ça parce que les soins n'ont pas été administrés très rapidement. Faute d'argent. Parfois même, et le problème, c'est justement, comme tu l'as dit, parfois ce n'est même pas l'argent. C'est à l'instant, en fait, qu'il y a un accident, on ne peut pas en accident. À l'instant où on a besoin d'administrer les soins, tu n'as pas la possibilité de faire, d'envoyer l'argent. Ou alors, tu as même déjà envoyé l'argent au Cameroun, par exemple. On n'a pas pu retirer et tout. Et ça fait que, oui, donc je trouve vraiment, vraiment félicitations à toi, bravo pour merci, Francine. Ce service, je trouve très. Et comme je t'ai dit, moi je vais être une cliente parce que c'est vraiment améliorer la qualité de vie de nos proches. Et j'espère que parmi nos spectateurs, vous allez aussi pouvoir joindre ce service, quoi. Justement, tu as dit, on a parlé de cliniques privées, de cliniques et d'hôpitaux privés. C'est vous êtes où en fait? Vous avez des partenaires, juste les cliniques privées ou alors c'est aussi les hôpitaux publics? Comment parlons-nous de vous? D'accord, pour répondre à ta question, aujourd'hui, effectivement, nous ne travaillons qu'avec les cliniques privées. Et pourquoi pas les hôpitaux publics? Parce qu'effectivement, le modèle économique qu'on a en place ne nous le permet pas, en fait. Il est beaucoup plus difficile de travailler à un hôpital public qui est géré par l'État où, effectivement, on n'a pas une instance de dirigeante stable. Parce qu'effectivement, les fonctionnaires, ça vient et ça part. Et vu que nous travaillons avec de l'argent, parce qu'effectivement, les cliniques vont recevoir de l'argent instantanément tout le temps, on ne peut pas effectivement appliquer notre modèle économique auprès des hôpitaux publics. Et vu que nous sommes sur une urgence, nous sommes sur traiter l'urgence médicale, on sait très bien que les hôpitaux publics sont souvent très bondés. Et aujourd'hui, ce n'est pas très facile d'avoir accès aux premiers soins. On est conscient, hein, dans notre contexte économique africain et contexte social. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous sommes focalisés sur les cliniques privées, parce qu'effectivement, on sait que du jour au lendemain, effectivement, on peut arriver, on est pris en charge. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous travaillons à mettre en place aussi un partenariat avec les cliniques, les hôpitaux confessionnels qui relèvent des missionnaires protestants, catholiques et autres. C'est effectivement, aujourd'hui, elles ont une très bonne qualité de soins et aussi les prix sont abordables. Mais reste qu'avec le public, malheureusement, on ne peut pas travailler pour le moment.
Peut-être un jour, on n'est pas fermé à l'option. On peut développer un modèle économique qui nous le permet, mais aujourd'hui, malheureusement, on ne pourrait pas travailler avec la Quintini, par exemple, ou l'hôpital général de Douala ou de Yaoundé. D'accord. Ah oui, je comprends mieux aussi pourquoi est-ce que tu parlais, tu disais tout à l'heure que le client a en fait la possibilité ou le droit même d'aller après dans une clinique publique pour se faire soigner une fois que son cas est stabilisé. Et au Cameroun, vous êtes présent où en fait? Vous êtes présent dans toutes les villes ou bien vous êtes présent dans quelle Aujourd'hui, nous sommes présents dans plusieurs villes. Pour répondre à ta question, on est à Garoua, Ngaoundéré, Ebolova, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bafan et Kansamba. Et nous sommes en train de travailler sur l'installation du réseau dans plusieurs villes comme Tchang, Bakanté, Edeya, Boya, Bamenda. Nous travaillons encore à étendre le réseau un peu plus. Donc voilà un petit peu dans la ville qu'on est présent. Donc à Douala, on est dans 3-4 cliniques à Douala, 4 à Yaoundé, une à Kansamba, 3 à Ngaoundéré, 2 à Garoua, une à Bafan, une à Bafoussam et voilà, et une à Ebolova. D'accord. Bah, je suis particulièrement ravie que tu aies parlé de Bolova parce que Bolova, c'est mon territoire quand je suis au Cameroun. D'accord, attends de savoir alors. Donc, c'est très bien, vraiment, c'est super. Mais justement, en fait, je te souhaite vraiment de t'installer avec Medic Afrique dans toutes les villes, dans toutes les localités au Cameroun parce que c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire que ce soit. Quel que soit le niveau de vie, on a besoin de ce service. C'est quand il y a une urgence, on ne regarde plus qui est. Je veux dire qu'il y a des moyens ou pas. Ça peut aider tout le monde. Ça peut vraiment aider tout le monde. Alors, super, super, merci. Merci. On va faire un tour vers nos spectateurs pour voir s'il y a des questions. Alors, les gens. Les amis, si vous avez des questions à Marc, n'hésitez pas à les poser. On a Sidonie qui te dit génial, Marc, et félicitations. Oui, Merci effectivement. C'est un très beau service, donc. Et on a Eric Haché qui dit vraiment intéressant. Oui. Merci. Effectivement, c'est un projet intéressant. Moi, j'ai complètement flashé quand tu m'as parlé, quand j'ai entendu. Avant même que je ne te contacte, j'avais entendu parler de Médic Afrique. Et justement, je te disais que j'avais l'impression que ça fait plusieurs années. Oui, depuis combien de temps, en fait, même vous êtes Médic Afrique existe, ça fait combien de temps? Ben pour la petite histoire, Medic Afrique, en fait, l'idée naît en 2017. Ouais, ça n'a pas été facile. L'idée est là, on travaille en back office et il y a eu beaucoup de difficultés parce que je ne vais pas te cacher français, monter un projet, ce n'est pas simple. Non, Ce n'est pas du tout non, simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. non. Voilà. Il y a beaucoup de bas. Il n'y a pas beaucoup de hauts, mais il y a beaucoup de bas. Donc, mais à chaque fois, il faut se relever. Du coup, 2017, ça a pris 2018, ça a pris 2019. En fin 2019, on lance la première version de Medic Afrique à travers un site internet. Et on se rend compte qu'on a des difficultés en termes de solutions de paiement parce que, je ne vais pas te cacher, trouver une solution de paiement, ça a été compliqué, qui nous permettait effectivement d'avoir, d'automatiser le système. Et on a eu la chance de tomber sur une start-up camerounaise du nom de Viopay. Ils sont basés au Cameroun et ils nous ont effectivement fourni leur plugin de paiement avec lequel on travaille aujourd'hui. Et depuis effectivement avril 2020, j'ai envie de dire merci au confinement parce que avec le confinement, on a pu travailler à 100% sur le projet. On a pu pendant le confinement développer, mettre en place ce qu'il fallait. Et on va dire depuis avril 2019, 2020, on a la nouvelle version de Medic Afrique avec de nouvelles cliniques, avec le nouveau système automatisé. Et depuis le 1er septembre, on a les différentes applications disponibles sur Android ou encore sur Apple pour ceux qui veulent utiliser l'application, sachant qu'on peut aussi utiliser le site internet, mais aujourd'hui, on vous encourage à télécharger l'application. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Accès par téléphone est vite fait. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu pour la petite histoire, mais je vais pas te cacher, Francine, ça a été très, 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 très difficile. Beaucoup de désillusions, beaucoup, parce que il y a ce qu'on croit et il y a ce qui est. Mais à la fin, aujourd'hui, quand je télécharge l'application, je suis content de voir ce qu'on a fait. Quand je reçois un message de notification comme quoi un client a fait un paiement, je suis heureux. Quand je vois un client qui me fait un retour pour me dire, Marc, merci, ma mère va mieux,
Je suis content. Quand je vois, je ne vais pas te cacher, même mon proche à moi qui est pris en charge par Medicafric aujourd'hui, qui est heureux, qui se porte beaucoup mieux, je suis content. Donc aujourd'hui, l'impact qu'a Medicafric sur la vie des personnes, aujourd'hui, ça me donne le sourire, ça me donne encore la force de continuer encore plus, quoi. Donc j'espère effectivement que, bon, on parlera des perspectives tout à l'heure, je te dirai un tout petit peu où on est en train d'aller et ce qu'on veut faire pour le futur. D'accord. Et tu as parlé aussi de la sérénité du patient. Ça aussi, c'est vraiment un point très important de savoir que quelqu'un, moi, je peux me lever, je me sens pas bien, je peux aller à l'hôpital et je n'ai pas à me soucier des factures, je n'ai pas à me soucier du fait que peut-être je ne serai pas prise en charge parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est vraiment un gros soulagement que le patient puisse se concentrer sur sa guérison. Ça aussi, c'est vraiment une plus-value qui n'est pas à négliger et qui est vraiment très importante. Pour compléter ce que dit Francine, en fait, si tu veux, quand on a lancé Medicafric, on n'a même pas vu ce volet-là, en fait. Mais c'est quand les clients ont commencé à utiliser le service, quand on a échangé avec les patients, on a découvert la sérénité patient, en fait. On s'est dit, wow, finalement, c'est un volet auquel on n'avait pas pensé, mais qui finalement est une plus-value importante au service et qui permet aux patients de, excusez-moi du terme, mais de dormir tranquille, en fait. Il se concentre sur sa guérison. Il n'est pas couché, on lui dit, ah monsieur, il y a une opération à faire, il y a un médicament à acheter, ça coûte 50 000 francs CFA, donnez l'argent. Pas du tout, il est tranquille. Il sait effectivement que peu importe les soins qu'il y aura à faire, il n'a à débourser un centime. Ça a été prépayé. Et que même s'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de sous, dans le cadre de la convention avec Medicafric, la clinique continue. Effectivement, à ce moment-là, on a pu confirmer que le patient peut naturellement se concentrer sur sa guérison et c'est beaucoup plus simple. C'est ce volet psychologique qui aide effectivement le patient à guérir beaucoup plus facilement. Oui, effectivement, parce que le stress, aussi, on le sait, le stress empêche aussi la guérison. Tu ne peux pas être vraiment stressé et être en train de vouloir guérir. C'est contradictoire, ça va vraiment pas fonctionner. Il y a un point que tu as mentionné aussi, les difficultés. C'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Je veux dire l'extérieur. Quand quelqu'un crée, met un projet sur pied, on voit beaucoup, ah, ça fonctionne, ah, mais c'est bien. Mais on ne voit pas le backstage. Ce que tu rencontres effectivement comme difficulté. Tu nous as parlé d'une des difficultés. Est-ce que tu peux partager d'autres difficultés avec nous? Parce que je pense que ça aussi, ça peut aussi peut-être ouvrir les yeux aux gens. Que ce n'est pas eu l'entrepreneuriat, d'accord, tel qu'on le présente, c'est beau, c'est glamour, mais il y a la réalité est tout autre. Il y a des situations auxquelles on doit faire face. Est-ce que tu veux partager avec nous d'autres difficultés, peut-être difficultés financières? Tu as eu à prendre des crédits pour le projet ou alors comment ça s'est passé? D'accord, pour parler des difficultés, je vais commencer par la première. Je pense que j'ai eu l'opportunité de travailler un tout petit peu dans l'entrepreneuriat pendant très longtemps. Et je pense que la première difficulté de l'entrepreneuriat, ce n'est même pas l'argent, en fait. Pour revenir, ce n'est pas les finances. Pas du tout. Je pense qu'elle vient en troisième, quatrième position, en fait. Aujourd'hui, la première difficulté que j'ai eue, c'est de trouver le modèle économique qui marcherait, en fait. Parce que le modèle économique que vous choisissez définit effectivement les finances dont vous aurez besoin. Donc, effectivement, il faut optimiser sur le choix du modèle économique pour pouvoir réduire le besoin en financement. Donc, pour dire effectivement que pour moi, le véritable problème quand j'ai commencé Medicafric, c'est quel modèle économique je mets en place pour maximiser la qualité des soins, l'accès aux soins, tout en dépensant le moins d'argent en termes d'investissement pour moi-même en question. Donc, c'était la première difficulté. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'il fallait essayer ici, essayer là-bas, discuter avec du monde, contacter des personnes, de vendre le projet. J'ai même fait un questionnaire sur Google Form, faire rempli par des personnes pour voir effectivement ce qu'ils pensaient d'un potentiel service, ainsi de suite, comment, pourquoi. Ça m'a pris des mois à trouver le modèle économique qui marcherait. Et même quand j'ai trouvé, quand il fallait du coup associer des solutions, il y avait ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Par exemple, quand je me rends compte que la solution de paiement, je ne peux pas l'avoir de manière automatique, parce que ça n'existe pas encore quand je veux mettre en place. Il n'y avait pas de service de je paye ici et ça arrive sur le mobile money. Ça n'existait pas avant, en fait. C'est très nouveau, en fait, ce service-là. Du coup, je me heurte à une première difficulté. Je me dis, mon modèle économique, il est bon, mais sauf que mes solutions qui accompagnent mon modèle économique n'existent pas. Du coup, il faut passer au manuel.
le client paye, je récupère les sous et maintenant j'envoie encore par un service de transfert d'argent, par exemple. Donc, et après, effectivement, oui, on peut parler du volet financier qui arrive un peu plus tard parce que le plus difficile dans un projet, c'est pas l'idée. T'as l'idée, on est content, c'est bien beau. Mais si tu ne peux pas la vendre, si tu ne peux pas en faire la promotion, ça ne sert à rien. Une belle idée dans un tiroir, on ne la connaît pas, elle n'est pas belle, elle n'est belle que pour nous, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, la difficulté financière arrive quand il faut promouvoir le projet, quand il faut faire connaître le projet. Et là, c'est toujours en cours, hein, parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai pu travailler, je travaille ensemble avec Bertine Kwam, elle est promotrice de Bambou Digital. Elle est dans le marketing et la communication. C'est elle qui gère les réseaux sociaux de Medicafé depuis plusieurs mois. On me l'a recommandé tout à l'heure, juste une petite parenthèse. Pas de souci. Elle fait du très bon boulot. Bertine Kwam fait du très bon boulot. C'est elle qui m'accompagne sur ce projet-là en termes de communication. Ça, ça a un coût. Et ce n'est pas tout parce qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faudrait que Medicafé soit présent au Cameroun. Il faudrait que Medicafé, effectivement, soit dans les médias camerounais. Ça aussi, c'est un cours. On y travaille dessus. J'ai la chance d'avoir un collaborateur au Cameroun aussi, Marcel Tchoffa, parce que c'est l'une des difficultés qu'il faut avoir. C'est si tu veux français, je ne suis jamais allé au Cameroun pour Medicafé. Pardon? Voilà. Je ne suis jamais allé au Cameroun pour Medicafé. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir un collaborateur, Marcel Tchoffa. J'allais te dire que tu as de la chance, en fait. Exactement. Tout le monde me dit ça, que tu as beaucoup de chance. Comment tu peux monter un projet ici sans être allé au Cameroun? En fait, j'ai eu la chance de tomber sur, c'est un ami d'enfance avec qui on a grandi, Marcel Tchoffa, qui est le représentant au Cameroun. Et c'est lui, effectivement, qui gère la relation avec les cliniques, par exemple. C'est lui qui recrute, c'est lui qui fait signer les contrats. C'est lui qui est vraiment le middleman entre Medicafé France et Medicafé Cameroun. C'est lui qui fait tout. Donc, du coup, l'une des difficultés, effectivement, c'est de trouver quelqu'un avec qui on peut travailler. Et effectivement, j'ai eu cette chance parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui croit au projet, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Et c'est comme ça que depuis lors, on travaille ensemble. Donc oui, les difficultés, le modèle économique qui marcherait avec notre entreprise, mm-hmm. les solutions qui pourraient effectivement marcher. J'ai contacté plein de d'entreprises avec qui je pouvais travailler, mais finalement, ça n'a pas abouti parce que la solution n'était pas telle qu'il le fallait. Après, le volet économique, après le volet ressources humaines, où effectivement, il faut trouver des personnes. Pour recruter des cliniques, j'ai recruté des commerciaux indépendants parce que se déplacer pour aller à Garoua ou en Garoundéré, en termes de temps, d'argent, ça fait beaucoup. Ben, du coup, on a lancé un appel d'offres, on disait, on cherche des représentants locaux qui pourraient effectivement faire une mission complète pour nous. Et à chaque clinique signée... Ah, justement, tu as répondu à une question qui a été envoyée. Comment est-ce que les cliniques partenaires sont sélectionnées, justement? Mais vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé. Je voulais On a fait en sorte que les personnes puissent. On a lancé des commissions indépendantes qui nous ont aidé effectivement à toucher cette clinique-là. D'accord. Donc, pour répondre à la question, comment est-ce que les cliniques partenaires sont sélectionnées? Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, mais non, il faut aller voir les cliniques de haut standing, parce qu'effectivement, la qualité des soins est meilleure et tout. J'ai dit, non, aujourd'hui, notre souci n'est pas de soigner. En termes de pérennisation, les patients. C'est pas ça notre but, en fait. Mmh. Notre but n'est pas de dire, j'ai un cancer, je me fais suivre à la clinique à Bali, à Bonapreso ou à Bastos. Le but de Medicafé, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Medicafé, c'est travailler avec toute institution sanitaire qui est légale. On travaille avec. Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, on peut l'avoir à Garoua, on peut l'avoir à Gamoudiri, on peut l'avoir à Batoufam, on peut l'avoir en vélé, on peut l'avoir n'importe où, en fait. Donc, du coup, si on a une urgence, peu importe où on se trouve, s'il y a une clinique à côté qui est dans le réseau Medicafé, on ne va pas se lever, faire le trajet jusqu'à Bastos, jusqu'à Bali pour aller à la clinique. Non, on se dit, la clinique la plus proche qui est dans le réseau Medicafé, moi, j'y adhère. Parce que l'idée pour nous, c'est la première prise en charge. C'est, il y a une urgence, on te stabilise, la suite, tu peux aller ailleurs. Donc, pour nous, aujourd'hui, toute clinique qui est volontaire, toute clinique qui aimerait faire partie du réseau qui est légal, nous, aujourd'hui, on signe, elle est dans le réseau, parce qu'effectivement, l'urgence ne choisit pas la clinique. C'est plutôt, entre guillemets, le patient, quand il y a une urgence, il va à la clinique la plus proche. Ouais. C'est la raison pour laquelle, effectivement, voilà, on choisit nos cliniques sur la base de qui veut contribuer, qui veut travailler avec nous. D'accord. D'accord. Super, merci infiniment
Marc. On va faire une petite pause et je vais présenter encore ce visuel qui est très, très parlant. Donc, ça nous permet de souffler un peu et on revient dans quelques secondes. Ça marche. Merci. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. MedicAfrique, the easiest access to health. Alors, justement, Marc, là maintenant, on va entamer la troisième et dernière partie de notre mission qui concerne les traditions. Mais avant d'arriver justement aux traditions, j'aimerais savoir quels sont les projets de MedicAfrique. Tu nous as parlé déjà d'une carte, de mettre des terminaux. Parle-nous en quels sont les projets de MedicAfrique, s'il te plaît. D'accord. Merci, Francine. Pour revenir un tout petit peu sur les perspectives de MedicAfrique, l'idée, effectivement, c'est d'automatiser encore plus le service. On parle de marketing digital, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. C'est aujourd'hui, on permet le prépaiement des soins de santé, mais demain, on voudrait mettre en place la carte de prépaiement. C'est effectivement que le proche puisse recharger la carte du patient, tout simplement, qui se rend, il prend juste sa carte auprès de la clinique et il est pris en charge. Donc, voilà où est-ce qu'on souhaiterait aller, effectivement, c'est de mettre des terminaux au sein des cliniques partenaires et qu'elles pourront, effectivement, débiter ou créditer les comptes des clients. Aussi, si tu as pu remarquer, Francine, le nom du projet, le nom de l'entreprise, c'est MedicAfrique. Medical Afrique. L'idée aussi pour nous, c'est d'étendre nos services autre que le Cameroun, parce que on se rend compte que les besoins sont les mêmes en Afrique subsaharienne. C'est la raison pour laquelle, pour la prochaine étape, nous comptons nous installer au Congo-Brazzaville, parce qu'on a effectivement des partenaires avec lesquels on travaille sur le sujet. Donc, il y a des chances effectivement que très bientôt nous serons disponibles au Congo-Brazzaville. Et aussi, on a été contacté, sans pourtant le vouloir, on y pensait, mais bon, on a été contacté par des Ivoiriens qui nous ont dit, on souhaiterait vous accompagner dans le déploiement du service en Côte d'Ivoire. On a dit, OK, on est content, merci pour l'offre. On termine d'installer effectivement la routine au Cameroun, mettre le politique en place qui se marche correctement au Cameroun. Et à ce moment, effectivement, on pourra attaquer la Côte d'Ivoire. Le Congo-Brazzaville, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a un partenaire finalement qui fait dans la lutte de l'endométriose et qui souhaiterait effectivement travailler avec nous. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous pour le déploiement. En Côte d'Ivoire, on va faire la partie de zéro et ça va se faire. Donc, on espère effectivement s'installer dans plusieurs pays comme ça, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, pour effectivement favoriser l'accès aux soins. On a même été contacté par des Algériens qui nous ont dit, sachez que ce que vous voulez au Cameroun, on vit la même chose en Algérie et qu'on souhaiterait effectivement avoir un service similaire en Algérie. On a dit merci, c'est très gentil. On note, on travaille, quand on sera prêt, on n'hésitera pas. Parce qu'effectivement, ça grandit, mais sauf que des fois, on peut se faire bouffer. D'accord. On dit bouffer par les plus grands ou alors... On se fait bouffer par le projet parce qu'en fait, si tu veux, Francine, dans un projet entrepreneurial que l'on monte, la croissance peut être un défaut si on n'amorce pas correctement. Oui. Ouais, on a beaucoup d'entreprises qui ont fermé parce qu'elles n'ont pas su gérer la vitesse de croisière. Donc, ils ont trop grandi, c'était trop gros, on n'a pas pu gérer, on a explosé finalement et puis on a fermé. À tes souhaits. Donc, je t'en prie. Donc, effectivement, on verra tout ça. Donc, il y a la partie digitale qui va être mise en place. Il y a l'extension de nos services dans divers pays africains, sur lesquels on travaille aussi. Il y a le recrutement de beaucoup de plus de cliniques, parce que l'idée, c'est qu'on soit présent dans tous les départements au Cameroun. Dans les 58 départements, si je ne me trompe pas, 58 départements au Cameroun, qu'on soit présent dans 58 départements au Cameroun, qu'on soit présent dans ces départements-là. Mais vraiment, effectivement, qu'on soit un acteur de la prise en charge des patients au Cameroun et en Afrique. Voilà aujourd'hui, effectivement, où on souhaiterait aller. Et il y a des partenariats qui sont en cours de développement. Je ne vais peut-être pas en parler pour le moment parce que voilà, c'est encore dans l'œuf.
Mais il y a des partenariats, il y a de belles choses qui se préparent et on espère effectivement que d'ici quelques mois, on va annoncer de belles choses. D'accord. Nous, on peut te souhaiter, on te croise les doigts pour toi, que tous les projets avec Medic, ton équipe, que tous les projets avec Medic Afrique se réalisent. Moi, je pense que ça, comme tu as dit, la demande, les gens commencent à s'intéresser parce qu'il y a vraiment vous apportez une réelle solution à un problème qui est présent et je ne peux que vous souhaiter vraiment tout le succès que vous méritez. C'est un très beau projet. Merci, Francine. Merci encore. Merci. Voilà, bien. On a Joseph Marseille qui dit, n'oublie pas qu'on met un point d'honneur sur la qualité des soins. Ah, c'est ton collaborateur du Cameroun. Exactement, exactement, c'est mon collaborateur. Effectivement, je confirme, effectivement, mais un point d'honneur sur la qualité, c'est la raison pour laquelle on travaille avec des cliniques dont on suit le quotidien. On est en train de travailler aussi sur la mise en place d'une téléconsultation depuis l'étranger. Ça, j'ai oublié de mentionner, c'est qu'effectivement, on a des médecins issus de la diaspora camerounaise qui vont, avec nos certains partenaires cliniques, qui vont faire des téléconsultations quand nécessaire. C'est-à-dire, effectivement, s'il y a un cas qui se trouve dans une clinique Y et que le médecin dans la clinique estime effectivement que c'est un cas assez compliqué, il a du mal, effectivement, à finalement arriver à un diagnostic concret, à sa demande, effectivement, et à la demande du client, il est possible de mettre en place une téléconsultation avec des médecins camerounais basés en France et en Allemagne, qui vont effectivement, selon leur domaine de compétences, intervenir à travers une téléconsultation pour effectivement améliorer le diagnostic si possible. Et voilà, je peux encore aller plus loin parce qu'il y a un partenariat qui est en train d'être négocié avec un partenaire très précieux qui va effectivement aller dans le sens de la qualité encore des soins. Mais je ne préfère pas en parler pour le moment, mais je vous promets de belles choses. Et si tout va bien, d'ici quelques semaines, on va annoncer ce partenariat-là qui va effectivement encore plus rassurer les clients, rassurer les patients parce que les médecins seront accompagnés aussi au quotidien dans leur travail pour maximiser, optimiser la qualité des soins. D'accord. On va rester à la vue de ces bonnes nouvelles qui arrivent. Beaucoup de courage à vous et à ton merci, Francine. Comment on est en train de. Et on est en train de tirer justement vers la fin de l'émission. Et comme tu le sais peut-être, on a des traditions à Spotlight. À Spotlight, on a deux traditions. La première, c'est le cadeau. Tous nos invités apportent un cadeau toujours à notre communauté. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu as comme cadeau pour nous? D'accord. Pour notre communauté. J'ai pas compris. Pour notre communauté, parce que le cadeau, c'est pas pour l'équipe. C'est pour la communauté de sport. D'accord, effectivement. Donc, je pense que pour le cadeau, j'ai souhaité rester dans le cadre de la santé. J'ai souhaité montrer encore un tout petit peu comment est-ce que notre service peut aider les Camerounais. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé, je vais vous montrer, hein. J'ai utilisé l'application Medic Afrique, je ne sais pas si vous voyez. C'est l'application Medic Afrique. Ok, ouais. Oui. Voilà, j'ai utilisé l'application Medic Afrique et j'ai fait un prépaiement de soins de santé d'un montant de 50 000 francs CFA auprès d'une clinique à Yaoundé pour un orphelinat du nom de Asma. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, l'orphelinat qui prend en charge les enfants a ce prépaiement de soins de santé d'une valeur de 50 000 francs CFA. Il pourra emmener tout enfant issu de l'orphelinat pour bénéficier des soins à hauteur de 50 000 francs CFA. Et je crois effectivement que ça pourra aider 1, 2, 3, 4 enfants à être pris en charge, ne serait-ce que pour soigner un palud, pour soigner une plaie, pour soigner ceci, pour soigner cela. Donc voilà un petit peu le cadeau que j'offre pour la communauté de Spotlight. Et merci encore, Francine. C'est à toi que je dis merci. Vraiment, c'est très généreux. Au-delà du cadeau, waouh, c'est le geste du cœur, c'est franchement, je suis sans voix. Merci, merci infiniment, merci. Et justement, nos spectateurs, les personnes qui, vous avez certainement vu au courant de la semaine, nous avons publié un post qui demandait les contacts d'orphelinats au Cameroun. Des gens qui m'ont demandé que, mais toi, tu as déjà beaucoup d'argent comme ça pour faire des dons. J'ai dit, bon, on n'a même pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire des dons, chacun à son niveau.
Mais pour dire, c'était en fait justement pour préparer ce cadeau. Et donc, on a sélectionné parmi, comme le cadeau s'adresse à la communauté de Spotlight, on a justement sélectionné parmi les personnes qui nous ont envoyé des contacts, parmi nos abonnés, quoi. Et justement, je suis vraiment très heureuse que ce don puisse aller à l'association d'un de nos abonnés. Et je ne sais pas s'il est encore connecté. Il était là tout à l'heure. Eric Achille, si tu es là, vraiment, ce serait bien de nous faire un coucou. Ton association, ton orphelinat vient de bénéficier d'un magnifique cadeau d'une valeur de 50 000 de soins. Explique encore, s'il te plaît. Explique-nous. Littéralement, c'est un prépaiement de soins de santé d'une valeur de 50 000 francs CFA. Donc, du coup, aujourd'hui, monsieur Achille pourra se rendre auprès de la clinique avec, peu importe, les personnes dont il pense bénéficier parmi les membres de l'association qui l'accompagne, et ils vont bénéficier à hauteur de 50 000 francs CFA des soins. C'est-à-dire, ce n'est pas dédié à une seule personne, hein. C'est, il peut ramener 4 personnes, et dans les 50 000 francs CFA, on va donner des médicaments pour X, on va faire une injection pour Y, on va faire un pansement pour Z, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 50 000 s'épuisent. Donc, effectivement, c'est disponible. Donc, la clinique, elle est située à Biémassi. Elle s'appelle Cameroun Home Care Services. C'est une clinique avec laquelle on travaille énormément, qui fait du très bon travail. On est très content de leur travail depuis le début. Et voilà, j'espère effectivement que monsieur Eric Achille pourra se rendre à la clinique et bénéficier des soins. Voilà. L'argent est là, c'est disponible. C'est quand il veut, il va bénéficier des soins. Waouh, vraiment, merci. Je vous dis merci. Et Eric aussi te dit merci. Bon, j'espère qu'on a pu soutenir un peu ton association et que les enfants que tu as à ta charge en ce moment vont être c'est pas que je souhaite qu'ils tombent malades, mais ça arrive toujours, on tombe malade et ils pourront être pris en charge dans cette clinique là. Et je peux te confirmer également que le virement a été fait. Marc m'a envoyé la preuve de virement, donc ça veut dire que dès demain déjà, s'il y a un cas, s'il y a une urgence, tu pourras déjà te rendre dans la clinique et bénéficier de ce cadeau. Merci. Pour compléter, je mentionne quelque chose. Cameroun Home Care Services, c'est une clinique aussi qui offre les soins à domicile, donc elle peut se déplacer si besoin. Ah, ok. Donc pour M. Gachil, elle peut se déplacer pour les soins, si besoin, elle peut se déplacer, il n'y a pas de souci. De rien, monsieur Gachi, c'est un honneur. Je pense que c'est plutôt à Francine qu'il faut dire merci. Non, c'est, on te dit merci. Moi, je suis juste le tremplin. Mais je suis tellement heureuse, comme si c'était à moi que ça avait été donné. C'est très chaleureux de ta part. Vraiment, merci. Merci infiniment. Merci infiniment, Marc. Merci. T'en prie. Alors, oui. J'ai même du mal à passer à la prochaine. Tellement je suis émue. J'ai du mal à passer à la prochaine. Oui, mais la prochaine tradition à Spotlight, c'est le parrainage, en fait. Que tu nous recommandes des entrepreneurs, des personnes qui ont le profil qui peut passer à notre émission, des personnes qui peuvent inspirer et motiver aussi d'autres jeunes à l'entrepreneuriat ou qui ont juste un parcours inspirant et voilà. D'accord. Qui est-ce que tu voudrais nous recommander? 5 à 3, s'il te plaît. Ouais, mais bon, je vais être sincère, j'aurai deux personnes. Ok. La première, effectivement, elle est d'accord. Je l'ai eue, elle a validé. La seconde, elle sera d'accord, mais il faudrait que je la recontacte encore. Donc, d'accord. La première personne aujourd'hui, Pardon? Avec plaisir, je le ferai avec plaisir. D'accord. La première personne aujourd'hui, ça sera Gaëlle Ndjemen. C'est une jeune dame basée en Allemagne qui. J'ai envie de dire, elle est multitâche, elle fait beaucoup de choses et une des choses qu'elle a fait avec brio, c'est la pâtisserie. Et voilà, c'est une très bonne amie qui fait de belles choses. Je lui ai parlé de Spotlight et puis elle est très volontaire pour pouvoir passer, pour parler un tout petit peu de son parcours, ce qu'elle a fait, mais je vous dis, c'est impressionnant. C'est une personne magnifique et c'est ça. Elle est franchement chapeau pour ce qu'elle fait, ce qu'elle est. Et je pense que vous allez vraiment échanger et apprendre beaucoup de choses l'une de l'autre. Donc, c'est carré de même. Du coup, moi, je te passerai le contact
après et puis tu feras le nécessaire. D'accord. Et voilà, donc je te confirme qu'elle s'est validée, elle attend et elle est volontaire. Et la seconde personne, ça va être la responsable de la communication de Medicafrique. J'espère qu'elle va vraiment vouloir Bertine Kwam. Du coup, parce qu'elle fait, fait un travail magnifique. Hein. Elle fait un travail magnifique au point où, quand, les, quand elle a commencé à travailler pour Medicafrique, vu la qualité des services, j'ai des personnes qui m'ont contacté qui me disent « Marc, qui gère ta communication ?» J'ai dit « c'est Bertine Kwam ». On m'a dit « tu sais quoi, s'il te plaît, mets-nous en contact, je voudrais qu'elle gère ma communication aussi ». Donc, du coup, pour dire « je vais me trouver des clients », parce qu'effectivement, le travail qu'elle a fait est très intéressant. J'espère effectivement, là, je vais lui écrire, je vais voir ça avec elle, j'espère qu'elle va valider, mais je pense que ce serait, entre guillemets, naturel de l'inviter pour qu'elle puisse effectivement partager son expérience, partager son éthique, partager sa qualité de travail et partager tout ce qu'elle fait de bien, parce que, chapeau. Donc, voilà, pour les deux personnes, je peux effectivement garantir qu'on peut les avoir. D'accord, merci, merci infiniment. Moi, je serais vraiment très heureuse d'avoir Bertine Kwam également parce que c'est le thème de la communication, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment abordé dans notre émission. Donc, j'espère que avec nos deux forces réunies, on va pouvoir la convaincre. On va pouvoir la convaincre. Ça devrait aller. Super, bah, merci, merci Marc, merci pour ces recommandations. Je vais me faire un plaisir vraiment d'aller vers nos les personnes que tu nous as recommandées, ce serait bien qu'elles soient là. Alors, avant qu'on se sépare, dis-nous, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux, comme mot de fin, quel est ton mot de fin? C'est souvent compliqué de conclure parce qu'on ne sait pas quand s'arrêter, mais bon, je vais essayer de conclure. Non, mon mot de fin, c'est vraiment comment dire, l'amélioration des services dans notre continent, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a plein de choses à faire. Je ne suis pas forcément dans le domaine de la santé. Parce que quand je regarde, par exemple, ce que fait Cambia Alain, par exemple, avec Dicalo, quand je regarde ce que fait Zezor avec Joël Tamo, ou encore Patrick Kenyé de Vouri TV, j'encourage encore toutes ces initiatives-là. Donc, je pense qu'ensemble, effectivement, on peut faire de belles choses. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment cette économie circulaire entre les entrepreneurs de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, pour ne pas vous cacher, Patrick Kenyé, c'est lui qui a fait le spot de Medicafrique, par exemple. Patrick Kenyé de Vouri TV, voilà, c'est lui qui a fait le spot de Medicafrique. Voilà, c'est Vouri TV qui a fait le spot de Medicafrique, parce qu'ils ont Vouri Régie qui est en charge de tout ça. Aujourd'hui, voilà, les employés de Vouri TV au Cameroun sont en une couverture médicale sur un an à travers Medicafrique, par exemple. Voilà, pour dire effectivement qu'il y a cet échange de services entre la diaspora, ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, les cliniques avec lesquelles on travaille vont toutes basculer sur Dicalo. Voilà, de Cambia Alain. Du coup, pour la promotion du savoir-faire, finalement, de l'entrepreneuriat issu de la diaspora, je pense qu'on s'encourage comme ça les uns les autres. Et je pense qu'avec cela, on ira plus loin. Parce que comme disait quelqu'un, on n'a pas besoin des likes, on n'a pas besoin des j'aime, on a besoin des clients. Donc, voilà, on a besoin des clients. Donc, je vous dis effectivement, que ce soit avec Vouri TV, avec Cambia Alain, voilà, les condiments de Zezoc, le Joël Tamo, moi, je les ai chez moi encore. Hein. Voilà, on s'est... Tu parles des condiments, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait du poulet brisé, du poulet au four. Ouais. C'est vraiment les condiments de Zezoc que j'ai utilisés. Et je pensais à... Je pense que je contacte aussi pour passer à ce moment-là. Surtout que ça a été recommandé deux fois, donc il faut vraiment que j'apprenne avec lui. Donc, vous dites effectivement que, ça mon mot de fin, c'est que si on s'entraide entre nous dans l'écosystème entrepreneurial dans lequel on évolue, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. D'accord. Waouh, super. Mais est-ce que tu as aussi un autre message que tu veux peut-être lancer aux personnes qui veulent, aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Toi, tu es entrepreneur depuis le bas âge, je vais dire ça vraiment comme ça. Tu es entrepreneur depuis le bas âge, ça veut dire que tu as une expérience qui est... Partage-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu peux dire à personne, aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Voilà, c'est quelque chose que je dis toujours, peu importe où je vais, quand on parle d'entrepreneuriat, je dis toujours, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat pour des raisons financières. C'est-à-dire, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat parce que vous souhaitez devenir riche. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, on n'est pas riche, on ne sort pas riche. Quand on ne sort pas riche, c'est qu'effectivement, malheureusement,
on s'est dit, les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est je monte aujourd'hui, je vends, je suis riche. Sauf que je dis toujours, entrepreneuriat et commerce. Le commerce, c'est le buy and sell, j'achète, je revends. L'entrepreneuriat, Oui. aujourd'hui, Medicafric a commencé. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je vais entrer dans mes fonds. Je ne sais même pas savoir. J'avance juste parce qu'effectivement, on est conscient que ça peut prendre du temps. Donc, s'il y a un truc urgent, c'est si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne vous lancez pas pour les mauvaises raisons. Ne vous lancez pas parce que vous souhaitez devenir riche. Ne vous lancez pas parce que vous avez vu Fausto Victor devenir milliardaire, vous avez vu Elon Musk devenir milliardaire. Non. Lancez-vous parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous passionne. Parce que, sans vous mentir, il n'y a pas d'argent dedans. Pour un début, on va Au lancer. début, c'est très difficile aussi. Et justement, et quand on dit début, malheureusement, les gens pensent que c'est 1 an, c'est 2 ans. Non, les débuts, ça peut être 5 ans, en fait. C'est ça le problème. Les débuts, ça peut être 5 ans. On peut débuter pendant 5 ans. Donc voilà pourquoi voilà, mon mot de fin, c'est ça, c'est ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat parce que vous souhaitez devenir riche, parce qu'il n'y a pas d'argent. Au contraire, pendant les 3 prochaines années, vous allez dépenser et dépenser et dépenser encore. Et si vous vous voulez justement mettre dans ce projet pour des raisons financières, quand au bout de 2 ans, vous allez voir que rien ne rentre, qu'est-ce que vous faites? On va se décourager, mais Voilà. on Voilà. Par contre, quand vous vous lancez dans un projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur, vous avez vraiment, vous voyez du sens que vous donnez à ce que vous faites, vous vous rendez compte que ce n'est pas l'argent qui me motive au quotidien. C'est Oui. vraiment mon projet abouti. Donc, ça va Oui. vous prendre 5 ans, ça va vous prendre 10 ans, vous allez rester là parce qu'effectivement, ce n'est pas l'argent qui vous motive. Effectivement, Non. effectivement. Voilà ce que je peux dire à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un effet de mode, malheureusement. Oui, Voilà. c'est ça, Et je pense que voilà pourquoi beaucoup ouvrent aujourd'hui, ferment demain. Mais bon. c'est vrai. C'est pas facile. Mais il ne faut pas se lancer pour l'argent. Pas du tout. Oui, Je pense que si c'était pour l'argent, j'aurais fait mes médicaments, en ok. fait. Merci Marc pour ce conseil précieux. J'espère que ça est entré dans les oreilles. Je veux dire, c'est entré, ça a ressorti. De toute façon, les personnes qui nous suivent sont ces personnes qui sont intéressés à l'entrepreneuriat, donc ce n'est pas juste des personnes qui veulent s'amuser et tout dans le jeu. Et ils sont aussi là, qui sont, les gens qui nous suivent régulièrement sont aussi là parce qu'ils savent qu'ils ont, ils retirent toujours quelque chose, ils ont toujours une leçon qu'ils tirent de nos émissions. Merci encore pour ces Et précieux justement, conseils. pour rebondir ce que tu dis, je ne suis pas quelqu'un de fermé. Mon inbox est ouvert. Hein. Si jamais quelqu'un veut savoir X ou Y, que voilà, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, donc, je suis ouvert, je balance. Et tu as pu remarquer, Francine, des fois sur Facebook, je partage des idées de business, d'entrepreneuriat qui me viennent en tête. J'ai une idée qui Oui. me vient en tête, je vais sur Facebook, je pose, je dis, voilà une idée de business, le modèle économique serait ci, serait ça, si quelqu'un peut le mettre en place. Allez-y. Donc, du coup, Oui. je suis ouvert. Si quelqu'un veut, a des questions, voilà, je suis ouvert, je partage, et puis voilà, c'est gratuit. Justement, et ça tombe bien parce que je comptais partager tes contacts pour te contacter justement. Voilà, j'ai pris la liberté d'aller sur ton site et de prendre tous ces contacts-là. J'espère que c'est OK. C'est OK, c'est OK. D'accord. Donc, voilà justement les personnes qui sont intéressées à contacter Marc. Vous pouvez le suivre sur le site et puis voilà les contacts. Donc, je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez noter. Et puis sur le site medicafrique.com, vous avez toutes les informations aussi que vous voulez en contact. Donc, voilà. Ah, super. J'ai aussi beaucoup aimé qu'il y ait Dika Lola à la fin, là, comme ça. C'est Effectivement. cool, c'est cool. Donc, voilà. Merci, merci, Marc. J'ai passé un très bon moment ici avec Merci. toi. J'espère également que les personnes qui nous regardent ont apprécié. On a Cyril qui te dit merci pour ce conseil. Oui, je suppose que c'est le conseil sur l'entrepreneuriat et ouais, les raisons de se lancer et tout, oui. Donc, on va se séparer de toi. Je ne sais pas si tu as quelques minutes encore. Bon, peut-être même si c'est pas si tu n'as pas quelques minutes pour attendre en backstage, c'est pas grave. Moi, je vais rester conclure l'émission je vais rester conclure l'émission. Mais on peut se prendre tout à l'heure. On va se prendre tout à l'heure en Ça ligne. marche. Donc, je te souhaite de passer un excellent dimanche. C'est déjà terminé. Bon début de semaine demain. À toi aussi, Et Francis. surtout, Merci prends encore bien pour soin de tout. ton fils.
J'espère que je peux dire ça ici. Je voulais dire que prends bien soin de... Bon, j'ai même déjà dit que prends bien soin de ton fiston. Un coucou à madame. Merci. OK. On va Portez bien, partir. bye. Salut. Alors, wow. Laissez-moi prendre une gorgée de thé. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'ai eu beaucoup de mal à laisser partir Marc parce que je voulais qu'on continue à creuser, qu'on continue à tirer de lui. Parce que c'est l'expérience qu'il a, c'est partager ça avec nous, c'est vraiment très, c'est sans, ça n'a pas de prix, quoi. Merci encore Marc pour le magnifique cadeau que tu as donné. Donc le cadeau, je le rappelle encore, c'est un bon de santé, un bon de soins prépayés d'une valeur de 50 000 francs qui a été attribué à l'association Asthma on avait justement de Eric Achille. Vous avez la possibilité de le voir aussi sur Facebook, la page Facebook de Asthma. Donc, vous pouvez regarder ce qu'ils font. Et merci à toi déjà, Eric, aussi pour le travail que tu fais pour ces enfants. Et je suis très heureuse que tu aies pu bénéficier aujourd'hui de ce cadeau. Voilà. Bah, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, je peux pas encore en fait dire qui sera l'invité de la semaine prochaine parce que on a malheureusement notre invité de la semaine prochaine a eu un empêchement et donc je me retrouve là maintenant à avoir une semaine qui n'est pas bouclée. Mais qu'à cela ne tienne, on va trouver dans la semaine. Donc là maintenant, je peux pas encore vous dire qui sera l'invité, mais je vous donne rendez-vous à la même heure dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle émission, pour un nouvel épisode de Spotlight. Entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, couvrez-vous, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sortie pas vraiment très couverte, et voilà, j'ai attrapé un rhume. Donc, couvrez-vous, prenez soin de vous, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en auprès des Afrique cliniques en pour une Afrique prise en pour une charge prise en charge instantanée. Medic Afrique, Medic Afrique, the easiest the access to easiest health. Access to health.